bonsoir au sommaire de la Minute Info de ce mercredi 10 juillet. Il était porté manquant depuis dimanche dernier. Le corps de Nesharf Biari, 19 ans, un habitant de Montagne-Longue, a été repêché dans un bassin à Malinga-Saint-Pierre cet après-midi. Les plongeurs du GPM ont été mandés sur les lieux. Une autopsie sera pratiquée dans la soirée pour déterminer les causes de son décès. L'équipage du Gulfstream G650ER, qui prévoit de faire le tour du monde en 48 heures et ainsi battre le record établi, a atterri à Maurice cet après-midi. La mission a été baptisée One More Orbit et l'équipage comprend le président de la société américaine Action Aviation, Hamish Harding, et l'astronaute Terry Wirtz. Maurice a été choisi comme point de ravitaillement. Le Nigeria affronte l'Afrique du Sud en quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations au Caire. Les Super Eagles, qui peuvent compter sur Odion Ighalo, vont devoir se méfier des Bafana Bafana, tombeurs de l'Égypte, pays hôte. Merci d'avoir été des nôtres. L'information continue sur l'express.fr.